Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette semaine, nous allons faire une écharpe pour vendredi avec la Boli. Je vous avais promis que j'allais utiliser ce fil. Vous voyez, les couleurs sont printanières. Et la Boli, c'est un fil qui est composé de laine, d'acrylique, de polyamide, de polyester. Et on va faire une écharpe avec. Je vous laisserai dans la barre d'infos les liens, car vous m'avez demandé en fait dans les vlogs précédents les liens des laines, et c'est vrai que j'y pense pas en fait dans les vlogs de faire le descriptif des choses que je vous montre. Donc là je vais, en fait j'ai pas l'automatisme de, ou la, le réflexe de le faire. Ce matin je vais recevoir un colis de chez Tessiland avec plein de choses pour faire des sacs. Vous savez que en fait Tessiland, ils sont vraiment spécialisés dans les sacs. Ils font eux-mêmes des fils bien particuliers pour les sacs. Ils font des fonds de sacs, des accessoires, des fermoirs, des anses, plein de choses en fait pour les sacs. C'est vraiment génial pour ça. Donc je vais recevoir un colis ce matin, je vais vous montrer ce que j'ai reçu et je vous les listerai dans le descriptif de la vidéo. Sinon cette semaine on va filmer l'écharpe et j'ai déjà des idées pour un sac et j'ai aussi une idée pour un pull poncho que j'ai très envie de faire. J'ai déjà en fait le modèle dans la tête et je vais voir avec les fils que j'ai commandés, voir quel fil je vais utiliser pour cet ouvrage. Je suis contente. Ce week-end j'ai fait deux illustrations, je vais vous les montrer. Alors l'illustration qui va aller sur le tote bag, je vais pas le commercialiser tout de suite, je vais attendre d'abord le mug et ensuite le tote bag. Alors, pour le tote bag, j'ai fait cette illustration là. Le papier, c'est un papier 100% coton. Alors, je vais vous montrer, c'est Canson Héritage. C'est ce papier là. C'est 100% coton, c'est vraiment je pense que je ne peux plus m'en passer. C'est un papier qui est un peu plus cher, mais par contre en termes de peinture ça n'a rien à voir. D'ailleurs je voulais ici, donc une fois que je l'ai scanné avec la typo, vous voyez la police, l'écriture que j'ai acheté pour pouvoir commercialiser, en fait c'est la typo des affiches. Je voudrais marquer quelque chose ici dessus, mais je n'ai pas d'idée. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et j'ai fait celle-ci pour Pâques. Et il y a des œufs cachés à l'intérieur. Je ne vous montre pas trop. Comme ça, vous allez découvrir les petits œufs que j'ai cachés à l'intérieur de l'illustration. J'ai fait un petit lapin trop mignon et je suis ravie vraiment de ce papier, de vraiment je m'éclate. Donc j'ai fait ça dimanche tranquillement, j'ai profité de la lumière, j'ai fait une petite vidéo que je vous partagerai sûrement sur les réseaux. Et puis voilà quoi vous dire, cette semaine je vais recevoir aussi normalement des cartes postales, donc ce seront des cartes un peu de remerciement que vous allez pouvoir utiliser pour en même temps que vous allez offrir les ouvrages que vous aurez créés, vous pourrez offrir une petite carte postale avec. Donc c'est un format plus petit que les cartes affichettes que j'ai pour l'instant dans la boutique. D'ailleurs, on m'a demandé est-ce que je vais faire des cartes postales des grandes illustrations. Bon, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Dans un futur, oui. Je pense que je ferai ce deuxième format pour les affiches. Ou je ferai un plus petit format carte postale. Je ne sais pas encore.
En tout cas, ce matin, on va faire une ouverture de colis. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé pour chez Dessiland. Donc, il y a des nouveautés, il y a des nouveaux fils que vous allez pouvoir retrouver dans la boutique. Je vous en dis pas plus. On va faire l'ouverture de colis ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Plein de trucs super. Alors, ça, c'est du fil 100% recyclé polyester. Ça, c'est bien pour coudre, hein. Et j'ai pris ces deux. Alors, celui-là, ça va sur les machines à coudre. Et donc, j'ai pris ces deux-là. Parce que j'ai jamais de fil à coudre. Alors, ça. Ça faisait longtemps que j'en voulais. Je voulais un 7 Clover petite taille pour faire les bijoux. Parce que j'ai envie de faire des bijoux. Bah, printemps-été, vous savez que j'aime bien faire les bijoux. Et ils sont super bien. Vous voyez, taille 0,1. 90 mm, c'est vraiment pour les tout petits ouvrages quoi. Ah, génial. Il y a en plus attendez. Déjà vous avez un socle. Et surtout ça, c'est pour protéger les pointes. C'est très important pour les tout petits crochets comme ça. Vous allez venir protéger en fait la pointe. Et le petit socle. Donc ça c'est bien cool. J'ai pris ça aussi, c'est une anse. C'est deux anses pour faire des beaux sacs. Je vous en montre un. J'adore. Pour faire soit anse avec une lanière, soit anse petit panier. Alors ça. Qu'est-ce que c'est? Je me souviens plus. Oui, j'ouvre tout avec un couteau. Yes, ça c'est un set de tricot. De Knit Pro. Je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est vachement bien. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Là, vous avez les pointes. Elles sont magnifiques. Parce que j'aimerais bien me mettre au tricot. Là, vous avez les câbles. Alors, je vais pas tout ouvrir, mais en fait, vous accrochez les câbles. Vous avez la petite notice. Alors, j'ai pris ces petits sacs-là pour les customiser au crochet. J'ai envie de faire là-dessus un granny
qui prendra toute la place et un granit ici de l'autre côté aussi. C'est ça qui sont vraiment pas chers, vachement bien. Et celui-là, c'est un autre format. C'est de la jute. J'ai déjà utilisé sur la chaîne. Du fil, ça, celui-là, le Nika. Alors, j'ai déjà utilisé cette collection, la Nika, mais jamais avec cette couleur qui est super belle. Si vous n'avez jamais utilisé ce fil, je vous le recommande vraiment. Alors, j'ai pris pas mal de fils. J'ai pris ce set. Je suis désolée pour le bruit. Alors, le set, il est composé d'un fond de sac, couleur camel, magnifique. Et... alors, ça c'est le la fermeture, donc c'est comme ça. Hop, je l'ouvre là. Ça se ferme. Enfin, ça c'est plutôt, je pense, un gadget, mais en tout cas, ça se ferme comme ça. En fait, je vais crocheter autour. Là, vous voyez, il y a des trous. C'est fait exprès. Et là, en fait, hop. Ça, c'est la fermeture du sac. Comme ça. Avec le fond. Et tout le reste, en fait, ça va être crocheté. Magnifique. Celui-là aussi, j'adore. Ça va être mon prochain ouvrage. Enfin, mon prochain sac. Oui, je suis dans le camel en ce moment. Alors, vous avez, pareil, le fond du sac. Vous avez le contour avec déjà le port, quoi, la lanière, la anse. Et là, vous avez tout le contour que vous allez vous fermez ici. Et en fait, vous voyez les trous ici. Pareil, c'est pour crocheter tout autour. Ça va faire un grand sac, mais magnifique. Je vous disais, chez Tessiland, ils font beaucoup de sets comme ça de ça pour les sacs. Excusez-moi, non, c'est celui-là. C'est avec celui-là que je vais faire le prochain. Et alors, ça, c'est magnifique parce que vous avez carrément tout le fond, en fait, le fond du sac et tout le contour. Et là, vous mettez une anse et en fait, vous crochetez une partie ici et une partie de l'autre côté. Et ça vous fait un sac comme ça en bandoulière. Et alors, en termes de bandoulière, moi j'adore les bandoulières un petit peu flashy, un petit peu voilà moderne. En fait, ça casse le côté trop classique du sac. Et celle-là, elle me faisait de l'œil. Elle est vraiment magnifique. Vous voyez les deux là. Noir, bandoulière. Il faut que je choisisse un fil qui pète un peu. Oups là. Regardez-moi cette anse. Et regardez-moi cette anse. Comme elle est belle. Oh là là, je sais pas quoi faire. Peut-être que je vais la mettre avec celle-là. En fait, ici, vous pouvez faire ça. Mettre la anse ici. Ah ouais, j'ai hâte, c'est Noël pour moi. Alors, ah oui, j'ai pris des petits boutons, j'ai pris des mousquetons aussi,
Ça, c'est très pratique. Alors ça, par exemple. Ah oui, c'est super emballé, hein. Ils font très attention pour pas que ça arrive abîmé, justement. Donc ça, c'est les mousquetons. Justement pour pouvoir faire ça. Et voilà. Et là, vous avez un sac magnifique. Ça, ça va être le prochain sac, c'est sûr, sûr, sûr. Et puis j'ai pris des petits boutons. Alors ça, c'est trop mignon. Bon, c'est pull. C'est plus la saison, mais c'est des petits boutons maison pain d'épices pour les enfants. Ils font des boutons magnifiques de plein de formes différentes. Des petits cœurs blancs. Parce que j'ai un petit neveu. Et des fois, bah, je lui fais des affaires. Et comme je vais me remettre à la layette, pareil, ben voilà. Et les petits paniers, ça, j'adore. Je les customise, moi, les paniers. J'ai fait un tuto où j'ai customisé un grand panier que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne. Celui-là, peut-être je vais le customiser avec des pompons. Je sais pas, j'ai plein d'idées de customiser. J'aime bien customiser les paniers. Alors, j'en ai pris 3. Moi, je mets mes pelotes à l'intérieur quand je suis en train de faire un ouvrage à la maison parce que ceux-là, je les sors pas. Et ça, c'est des fils. Des fils pour les sacs. Alors, ça, c'est une nouveauté. La Pandoro Queen, pardon. Donc, voilà. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ils font des fils que pour les sacs. Et ah, celui-là, il est doux. Ils sont doux et solides. Couleur camel, forcément. J'ai pris beige aussi. Et du coup, je sais pas quelle couleur je vais prendre pour mon sac noir. Je pense que je vais le faire... Parce que j'ai un autre fil gris qui est magnifique. Je sais pas où il est là. Enfin, j'ai pris ces 3 couleurs différentes. Voilà, toujours dans les beige. Enfin, là, celui-là, il est beige. Celui-là, il est crème. Et celui-là, camel. Bah oui, parce que avec celui-là... J'aime bien cette couleur-là. Parce que, comme c'est, ce camel n'est pas vraiment le même que celui du kit de sac, je trouve que celui-là est plus joli. Et pour mon sac noir, je pense que je vais chercher, je crois que j'ai du fil gris. Parce que le blanc, enfin le crème, non. Enfin, peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez. Eh bien, si vous voulez, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, puisque vous m'avez demandé. Et voilà, je suis contente. Je suis trop contente. Coucou, nous sommes mardi. Et ce matin, je devrais recevoir 2 colis. J'ai déjà reçu la carte de remerciement qui ira avec les mugs. Et je vais vous la montrer. Je suis assez contente du résultat. C'est un plus petit format. Je devrais recevoir aussi 3 cartes. Carte postale avec des illustrations qui serviront comme qui vous serviront vous comme carte de remerciement ou de carte de vœux pour offrir en même temps que vos ouvrages et tout ça. Hier j'étais chez l'ophtalmologue et je vais avoir droit à des verres progressifs. Donc, je vais aller aujourd'hui chez un opticien pour faire ça vite. Et ouais, on vieillit. C'est normal, c'est la vie. Sinon, j'ai hâte de commencer des séries de sacs. J'ai plein d'idées de sacs. J'ai hâte. Mais là, je termine l'écharpe à bien avancer. Je pense que demain, je l'aurai terminé. Demain, on est mercredi. Demain, je l'aurai terminé. Et je pourrai commencer le tuto de vendredi prochain. J'ai déjà une idée. Ça va être un pull.
Parce qu'il y a une abonnée qui m'a demandé sur le dernier poncho que j'ai fait si on pouvait lui faire des manches. Donc j'ai eu l'idée de faire un pull un peu poncho. Je pense que je vais le mettre très souvent. En fait, je le visualise. C'est pour ça. Et j'ai déjà commencé pardon, à chercher la laine. Donc, je vais utiliser celle que je vous ai montrée dans le unboxing, là, dans le colis de Tessiland. La petite laine rose que je vous ai montrée. Je vais utiliser celle-ci. Et ensuite, ça va être un sac et j'ai déjà l'idée dans ma tête. Avec du volume. J'ai envie de faire des fleurs Molly. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vais essayer de vous mettre une petite photo là. C'est des fleurs en relief avec un des sets que je vous ai montré de sac avec le fer moire là, comme ça, avec le fond de sac. Je pense que ça sera très joli. J'ai hâte, j'ai hâte. Et il fait beau, mais il fait froid. Donc voilà, ce matin, je continue à crocheter l'écharpe en attendant mes colis. Je vais vous montrer la carte de remerciement. Et puis, si je peux vous emmener chez l'opticien, vous montrer des essayages de lunettes, je le ferai. Donc, à tout à l'heure. Donc, voici la carte qui ira avec le mug. Et elle est complètement inspirée des dessins que j'ai réalisés pour le mug. Le petit logo derrière. Je vous écrirai un petit mot ici. Et ça, c'est des colis que j'ai achetés chez Raja. Vous savez, c'est un fournisseur de colis. Et j'ai acheté donc deux types de colis. Donc, pour ceux qui vont prendre que le mug, eh ben, le mug ira là-dedans. Je pense qu'il est un peu grand, mais de toute façon, je vais bien le bloquer à l'intérieur avec du papier de recyclage. Et cette grande boîte ici, alors vous voyez, ça fait la même hauteur. Celle-ci, c'est pour celles qui prendront par exemple des affiches et le mug. Et voilà. Donc ça, c'est des colis qui sont livrés, donc dépliés, qu'il faut plier. Ceux-là, ils sont bien pratiques parce qu'ils ont déjà la languette ici. Donc vous n'avez plus qu'à enlever cette languette et hop, ça se colle. Ils sont très très solides parce qu'à l'intérieur ici, ils sont doublés. Et ceux-là, c'est pareil, ils arrivent dépliés, donc il faut quand même les plier. Celui-ci, ce qui m'embête, c'est qu'il n'a pas ici de ferme, de moyen de sceller en fait l'ouverture. Donc, il va falloir que je trouve un moyen. Et ça, c'est pareil, hein, c'est très solide. De toute façon, comme je vous ai dit, les mugs, ils sont en émail. Voyez? Je pense que là, je l'ai mal monté parce que ça doit aller à l'intérieur. Enfin, j'ai encore du pli. Enfin, il faut que je m'améliore dans le pliage, mais l'idée est là. Alors, le mug ira déjà dans cette boîte, mais il a déjà une boîte aussi, hein, une boîte de packaging à lui-même. Donc, il sera bien protégé. Voilà, ça c'est chez Raja, si jamais vous avez des colis à envoyer. Bon. Raja, c'est pour les professionnels, mais je pense que vous pouvez, même si vous n'êtes pas professionnel, acheter chez eux, quoi. Voici les trois dernières cartes postales que j'ai reçues. C'est vraiment. Alors, c'est des cartes postales qui sont plus petites que les cartes postales affichettes qu'il y a sur la boutique. À l'arrière, vous avez le logo Crochet Maniaque. Et ça, c'est des cartes que vous pouvez offrir en même temps que vos ouvrages. Si vous reconnaissez, ça, c'est un petit bonnet granny que j'ai dessiné en m'inspirant des bonnets granny qu'il y a sur ma chaîne. Celle-ci, c'est une blouse qui existe également sur ma chaîne. Enfin, c'est une sorte de poncho.
Celle-ci s'est inspirée un petit peu de tous les pulls que j'ai sur la chaîne. Et celle-ci, c'est un look que je mettais très souvent l'été dernier avec le petit haut en crochet, un petit débardeur et mon chapeau Havana que j'avais fait en raffia. Voilà. Sont très mignonnes. Je suis très contente du rendu. Les couleurs sont exactement celles que, comme l'illustration originale. Jeudi et hier j'ai pas pu vloguer parce que en fait j'ai fini l'écharpe très rapidement. Je vais vous montrer après comment je fais le montage et je me suis maquillée parce que je vais alors je suis super contente. J'ai fait ce pull. Que je vais poster demain puisque ce vlog vous l'aurez aujourd'hui dimanche et demain il sera en ligne. J'avais très envie de le faire et je l'ai fait très rapidement, du coup j'ai pas eu le temps de vloguer. Ça va très vite hein, parce que c'est un crochet 6 que j'ai utilisé et puis vous voyez c'est un point ajouré en top down sur le haut et je l'ai pas fait trop long. Les manches, elles sont assez serrées parce que moi j'aime bien les manches des fois bien, bien ajustées. Du coup, je l'ai fait très très rapidement. Ça se fait très rapidement. Du coup, je vais vous poster un. Vous avez sûrement dû voir l'écharpe vendredi. Ça me fait bizarre de parler comme ça dans le futur alors que je suis en train de vivre le moment. Enfin. Et le pull sortira donc du coup demain. Et vendredi prochain, je vais faire un sac. Là, l'arrivée des beaux jours, hein, parce que ici, comme me dit un petit message d'une abonnée, que les bourgeons commencent à naître. Il fait pas mal beau aujourd'hui, non, mais tous ces derniers jours, il a fait très très beau. Ça m'a remonté le moral. Même si bon, j'ai rarement le moral dans les chaussettes, je suis toujours en train de créer et en train de faire des choses, mais ça m'a donné la pêche et j'ai envie de faire beaucoup plus de choses. Comme le printemps et l'été, en général, je vais faire des ouvrages manches courtes ou manches longues mais ajourées. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos commentaires que vous m'avez laissés. J'ai posé la question, qu'est-ce que vous aimeriez comme ouvrage pour justement le printemps? Donc ça tombe super bien parce que il y a beaucoup de gilets, beaucoup de points ajourés, de fils fins, de choses comme ça un peu, comment dire, un petit peu bohème, je pense, dans le style. C'est des choses qui pour moi sont très rapides à faire, comparé aux ouvrages d'hiver. L'hiver, les ouvrages sont plus longs. En plus, le moral, l'hiver, comme il fait pas, il n'y a pas assez de lumière, et on a moins envie de poster des ouvrages, de créer. Même si on ne s'arrête pas pour autant, on a un peu plus de mal. À cause de, moi, pour moi, c'est vraiment à cause du manque de lumière, la journée. Et là, comme les journées sont plus longues, j'ai plus la pêche et j'ai envie de faire plein de choses. Et voilà. Donc du coup, j'ai fait ce pull que j'adore. Je vais vous montrer d'ailleurs, parce que je me suis maquillée, je vais vous montrer, peut-être que ça pourrait être intéressant pour vous de voir comment je retouche le visage. Parce
Parce que en général, je me maquille pour avoir moins de retouches sur le visage. Je retouche que le visage. J'enlève pas grand-chose, hein, mais par exemple, quand je m'épile pas les sourcils, eh ben, j'enlève un peu quelques petites imperfections du visage. Je pense que ça pourrait être intéressant pour vous que je vous montre comment je retouche un visage sur Photoshop ou une image en entier. Donc, ce que je vais faire, c'est que oh, alors, aujourd'hui, il faut que je monte l'écharpe pour demain. Je vais vous montrer en accéléré et puis en plus doucement, je vais vous montrer comment je retouche le visage. Donc là, je suis prête, je vais faire les photos pour le pull. Il me manque plus que ça parce que j'ai déjà tout filmé. Et il faut que je fasse mon reel et voilà ma petite vidéo. Le reel en fait, c'est une vidéo de présentation sur Instagram. Et cette vidéo en général, je la partage aussi sur YouTube. Toujours la veille des ouvrages pour annoncer qu'il va y avoir une publication le lendemain. C'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, c'est parti! Coucou, nous sommes
Samedi matin et je vais clore le vlog ici. Ce matin, j'ai passé une petite heure à répondre à tous vos commentaires. Ça m'a fait bien rire les commentaires sur Facebook sur la photo du papa de ma fille, en fait, le mannequin. Le mannequin, vous m'avez fait rire. Le mannequin sur la photo de l'écharpe, c'est le père de Mini Crochet. Voilà. Et demain, il y a un tuto qui va être publié, le tuto du pull que je vous ai montré un peu plus tôt dans le vlog. Je suis un peu perdue dans ce vlog, je vous avoue, parce que j'ai fait plein de choses cette semaine. J'ai pas arrêté et j'ai pas, je sais pas si j'ai pris le temps vraiment de parler, mais j'ai eu une semaine bien chargée. En termes de boutique, toutes les affiches, tous les dessins pour l'instant, enfin, il n'y aura pas de nouveaux produits. Le nouveau produit, enfin, le futur, ce sera le mug que j'ai hâte de recevoir. Et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai agencé ma petite entreprise, le coin entreprise. Voilà, j'ai tout rangé ici par nom, que j'ai imprimé avec l'imprimeuse thermique. Et voilà, tout est bien rangé. Alors ces caisses-là, je les ai achetées sur Amazon. C'est quand même bien pratique. Là, ici, j'ai les marque-pages. Hop. Les cartes des petites cartes que je vous... Je sais pas si... Oui, je vous les ai montrées. Là, j'ai tous les cartons que je mets en fait dans les colis en fond pour pas abîmer les affiches. Ici, j'ai les bloc-notes. Là, les enveloppes. Et ici, j'ai mes petites caisses de papier, toutes les factures et tout ça. Voilà, j'ai fait un petit peu de place pour les mugs, mais je pense que ça va pas suffire. Hein. Je sais pas comment je vais me démerder. Là, j'ai les cartons dépliés pour les mugs. Et voilà, je suis bien contente parce que comme ça, au moins, les affiches ne sont pas abîmées, elles sont bien rangées, elles prennent pas la poussière. Puis surtout, je vois mieux, en fait. Donc, comme vous avez vu, j'ai fait un petit peu de place pour les mugs, mais j'en attends en fait 48. J'espère qu'il y en aura assez, mais de toute façon, s'il n'y en a pas assez, j'en referai faire. Et je pense pas que j'aurai assez de place. Va falloir pousser les murs. Mais bon, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai commencé un ouvrage. Je vais vous le montrer, mais bon, vous le verrez la semaine prochaine un peu plus. C'est un sac avec des fleurs XXL. J'adore. Moi, j'adore travailler les sacs en 3D, en relief. Avec des brides en relief. Vous allez pouvoir en trouver sur la chaîne. J'en ai déjà fait, je sais pas, je crois deux ou trois, je sais plus. J'adore faire ça. Je trouve que ça, ah, ça amène un truc en plus. Alors, ce sera pas un tuto pour les débutants. Je le précise. Même si vous pouvez quand même essayer, hein, en tant que débutant, de vous lancer. J'espère que mes explications seront bien claires. C'est un tuto qui va être long, bien sûr, vous avez vu le machin. Mais, ouais, je pense qu'avec mes explications, même les débutants pourront y arriver. Mais bon, il faut déjà quand même maîtriser les brides en relief. Surtout ça. J'ai hâte de le finir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera prêt pour vendredi. Du coup, je pense que
Vu la lancée, vu que j'ai pris de l'avance, je vais peut-être republier 2 tutos par semaine avant l'été, puisque l'été après c'est pause un peu. Ça sera plus laisser les vacances, donc là les gens, enfin même moi, je serai en vacances, il y aura moins de forcément de publications. Donc j'aimerais travailler là à partir de maintenant le printemps, l'été. Comme ça, vous aurez des ouvrages à faire, même pendant vos vacances, pour les addicts. Donc voilà, aujourd'hui, je vais clore le vlog ici. J'espère que cette semaine avec moi vous aura plu. Je vais commencer à le monter pour qu'il soit prêt, demain. Et je vous fais plein, plein, plein de bisous, plein de câlins. Je vous souhaite une bonne semaine, surtout. Et à vendredi, non, et à demain pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!